Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les Schtroumpfs, l'épopée des rêves qui vient de sortir. Moi, je vais vous le faire découvrir par le biais de sa démo parce que j'hésite encore, en fait, tout simplement, à l'acheter ou pas. Donc, du coup, ça sera l'occasion. Le jeu est dispo sur PC, il existe également en version boîte sur console. J'en ai entendu que du bien, quasiment, et du coup, je me suis dit, ben, on va tenter l'aventure. Du coup, ben, on y va! On peut le jouer en coop, ça peut être sympa pour se taper des petits fous rires ou alors étrangler son conjoint. À voir. Changer de schtroumpf. Canon. Ah, il y en a que deux. Bon, point de schtroumpfette. Oh, le vilain Gargamel. Qui empoisonne les baies schtroumpfantes. Voilà, j'ai refait mes petits réglages graphiques parce que je trouvais que le jeu clignotait de partout et même le début n'était pas terrible. Mais en fait, si, c'est mieux. Je suis en épique et c'est beaucoup plus joli. Alors, toi, tu fais gros dodo. Qu'est-ce qu'il est beau, ce village des Schtroumpfs. Moi, j'aime trop. Est-ce qu'on peut sauter? Oui. Là, on court. Ok, nickel. Tu fais gros dodo toi aussi. Alors, je suppose qu'il faut qu'on retrouve le grand schtroumpf. Ah ben le voilà. Quand vous êtes prêt, sautez simplement sur l'oreiller pour voyager vers le monde des rêves. Alors si j'ai bien compris, on va devoir voyager pour sauver un petit peu chaque schtroumpf qui est coincé dans son sommeil par le biais de ses rêves. Le village, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, je trouve paysan! C'est vraiment très joli! Me voilà, grand Schtroumpf! Je vérifie juste que me voilà vraiment, qu'il n'y a rien d'autre, mais me voilà! Alors je sais que beaucoup l'ont comparé à Mario 3D World. Ah, le Schtroumpf gourmand. Dirigez-vous vers la constellation pour secourir le Schtroumpf endormi. Moi je suis là, ok. Alors là on a deux pelotes et 10 champignons, rêve du Schtroumpf cuisinier. Cuisinier, oui, pardon. Alors, nous voilà. Il y a des schtroumpfs tout verts à l'arrière. Je sais pas ce qu'il leur a fait à manger, mais... Alors, chapitre 1, mon gourmet, gourmand, pardon. Ah, canon, il me redonne des trucs. Attendez, je vais retourner au début, alors. Est-ce que tu me donnais quelque chose, toi? Non, toi, tu manges.
Ok, elle me montrait comment sauter, très bien. Ok. Je fouille, hein, j'essaie de comprendre. Ah, je suis à 50 fruits. En fait, vous avez à chaque fois les choux qui vous montrent un petit peu ce que vous pouvez faire. Peut-être que Papa Noël pourrait le ramener à Zabou. C'est pour ça que je voulais tester la démo et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant la tester avec vous. Oui, petite dame, tu me montres ça. Ok. Oh, excellent! Oh, c'est canon! Ça, c'est un checkpoint, je suppose. Je suis mourue! La musique est très sympa. Madame, redonne-moi un cœur. Je croyais que je pouvais les taper. Je peux pas les taper. C'est chouette comme tout. Là, je peux rien faire de toute façon avec lui. On va éviter de mourir bêtement, hein. C'est tombé. Je croyais qu'il me montrait comment m'agripper au mur. Pas du tout, j'avoue. Pas du tout. Tiens. Ça vous apprendra à m'avoir volé un cœur. Je peux pas récupérer de cœur, moi. Non, toujours pas. Alors, il y a un champignon, là. Par là, je pense. On a vu, alors il y a 5 collectibles en champignons. Sans lui qu'il y en avait 10, non? Peut-être que j'ai rêvé, hein. Ah, le checkpoint redonne des cœurs. Nickel. Merci, merci, merci. Je vais déjà aller voir en bas. Oh bah j'ai bien fait d'aller en bas, au final c'est là qu'il fallait aller. Le gameplay est très intéressant pour l'instant. A plus X. Ok. Nickel. Attendez. Yes, j'ai réussi à l'avoir. Un peu aussi hein, parce que ce serait dommage de rater des trucs. C'est vraiment joli. Le décor qu'on a en dessous là, il est chouette comme tout. Alors là, il va me falloir une clé. Bon. Où peut-on se cacher la clé? Des arbres en chocolat. Je veux les manger. Non, je n'ai pas un problème avec le chocolat. Pas du tout. Je veux un arbre en chocolat. Nickel.
un autre champi. Par contre, comment j'ai ça là? Fais mourir. Ça va. Alors moi, ce genre de jeu, c'est tout le temps concentration. Hein. Alors là, on me dit quoi? Qu'il me faut une clé pour l'ouvrir, c'est ça? Ouais, il y a un petit cadenas sur l'avant. Alors là, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est pour quitter la zone. Donc on va continuer à fouiller. Ouf, je crois que j'étais tombée. Ah, comment je vais là-dessus? On n'avait rien vu. Je sais pas trop ce que je devais faire en fait. Bon, par contre, tout ce qu'on a débloqué, c'est déjà toujours fait, ça c'est cool. Ah, mais attendez, il y en a là. Oh, bah, la clé est là en plus. Un autre champi. Ah, par contre, les espèces de petites pelotes, je les ai pas vues encore. Ah, je vous avoue ne pas savoir ce que je dois faire avec ça. Ah, ok. Bon, nickel. Plein de fruits pour nous. Bonjour. Ah bah, c'est ça la pelote. On a notre première. Je vais essayer d'aller voir là en haut. Voilà. Ah, rip. On va y arriver. Hein. Voilà. Alors là, j'ai des pommes. Je sais pas trop quoi. Alors, est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non, mais est-ce que je peux tomber là-dedans? Oui. Ah bah, ça ouvre la porte. Oh, j'ai été inspiré dedans, dis donc. Un petit coin bonus. Voilà. Bon, moi j'ai raté un fruit, c'est pas grave. En soi, il me restera un champi à trouver pour le niveau. Alors je sais pas si je suis passée à côté ou si on le trouve après. Mais revoilà. Récupérer ça. Ça, c'est canon. Ah, je crois qu'il y a un moyen de se bien se laisser emporter dans le jeu quand même. Hein. Alors là, j'ai un checkpoint. Et là, je suis censé ramener une clé qui doit être dans le buisson, je pense. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est la fin du niveau? Pas tout à fait encore.
Il y a 5 trèfles à trouver dans cette zone. Très bien. Pouh! Alors là, comment dire? J'ai eu chaud, c'est juste un truc de fou. Au secours, lui, il m'énerve. Faut que je prenne de l'avance sur lui pour récupérer ça. Voilà. Tiens. Alors, on va fouiller. Alors, j'ai une clé. Ça, je récupérerai après. Là, il y a un trèfle. C'est short à chaque fois quand je tape. Hein. Alors ici, il n'y a rien de spécial. Hop. Un petit trèfle. Comment je récupère ça, moi? Voilà, tu es mouru. Peut-être que moi aussi je suis mourue en fait. Oh, on peut les tuer les petits. Moi je peux remonter par là en même temps. Hop. Les petits, je peux leur sauter dessus. Attendez, c'est bien ça, hein? Ouais. Bon, bah ça va. Quand faut-il arriver à viser, ce qui n'est pas toujours gagné, hein. On a le dernier champi. Par contre, ah, je t'avais pas vu, toi, petit mec. Ah, rip. L'appât du gars, Zabou, l'appât du gars. J'ai pas fait attention au nombre de vies qu'on pouvait avoir. Ok, ça s'est récupéré. C'est hyper intéressant. Hein. Oh, les sauts, les longs sauts, c'est pas mal. Eh ben, on a les 5 trèfles normalement. Et je suppose que c'est peut-être la gemme de fin de niveau ou on va aller voir. Hein. Alors, on a récupéré quand même bien à manger là. Et bien deux, j'en ai raté une. Alors du coup, ça se passe comment maintenant? Oh! Ah, je suis à la suite. Chapitre 2, miroir des vérités. Oh, ben cool, on voit un autre niveau, on va le faire. Je sais pas si on fera forcément en entier à cause de la durée de la vidéo, mais... Puis on n'a peut-être pas accès jusqu'au bout non plus, hein. C'est un miroir. Ah oui, regardez. Là, je vois l'ombre. On voit les ombres. Là, par contre, pour me mettre dessus, c'est pas gagné, hein. C'est bien fichu. Ça, c'est le genre de choses dans les jeux de plateforme comme ça que j'adore. C'est voir des choses pas forcément sur votre monde, comme là, les voir en face par exemple. Je trouve ça hyper sympa. Aïe!
Vous avez rien vu, j'ai failli mourir. Merci. Alors par contre, on n'a plus de miroir. Et là, j'en ai à nouveau. Il reste une bébête. Qu'est-ce qu'elles vont me montrer, les Schtroumpfs? Ah, déjà, il y a des petits fruits à récupérer là. Là, c'est en dehors de la piste ou pas? Voilà. Super. Qu'est-ce que tu me montres? Ah. Ok, je vois moi. Je vois en fait. Faut que je passe. Derrière ça, mais on a le méchant. Je vais aller rechercher des petits pics en haut. C'est bien pensé, je trouve. Vraiment. Ah, il me reste... J'avais des grosses armes vertes là-bas. C'est pas grave. Ça devrait suffire. Voilà. Et je récupère la clé ici. Clé qui m'ouvre un passage, nickel. On va fouiller le fond de la zone. Et je trouve coquet. Fais-le, toi! Y a rien de spécial ici. Étrange. Il y a peut-être quelque chose, c'est pas bien grave, hein. La musique, elle est toute reposante en plus. Et c'est agréable parce que des fois, on vous met des musiques un peu speed dans ce genre de niveau et ça vous met la pression d'entrer. Alors que là, bah, c'est tout magique en fait. Je peux marcher là? Ah oui! Bonjour! Ah là, par contre, je vois ce qui est au-dessus de moi. C'est bien fichu, hein. Ouais, en fait, là, d'accord. Ok. Pareil pour ici. Je peux monter logiquement. Voilà. Ah, je sais pas quelle hauteur se situe la cerise qu'on voit en dessous, là. Ah mais... Vous pourriez me dire que je peux pas y aller. Ça m'ouvre quoi? Ok. Ça fait apparaître des trucs en sable. Ah, ce mode miroir comme ça, c'est chouette. Ah, attendez. Voilà. Ah, le Schtroumpf coquet. C'est très plaisant, hein. Alors, je suis désolée, je parle pas beaucoup par rapport à d'habitude, mais je suis toute concentrée. Au secours! Où est-ce qu'elle est, la clé? Je sais pas par quelle magie je suis pas morte. On va aller par là. Là, j'arrive pas à enlever ça.
Donc j'allais le jeter pour casser des trucs. Voilà. Comme ça, je peux casser la piñata. Par contre, ça me dit pas où est ma clé. Je vais fouiller un petit peu, hein. Donc on est arrivé par là. Là, on a un petit rebord sur lequel il y a des fruits. Là, j'ai un autre rebord. Hop. Le truc, c'est que je vois pas de clé, même dans les... Ah si, elle est là, regardez. Je l'ai attrapée. Je veux dire, je vois pas de clé, mais si. Allez, on va encore regarder où ça nous mène. Très original ce niveau, en tout cas. Petit fruit caché. Alors ça, je dois en faire quoi? Est-ce que ça se pousse? Non. Je crois pas. Ah! Ah oui, mais je peux pas monter par là. J'arrive pas à voir la hauteur, en fait. Faut que je passe par derrière, je suppose. J'ai failli mourir! Au secours! Alors, est-ce que ça fait quoi? Ah, ça supprime les blocs, ça. C'est cool. Logiquement, je devrais pouvoir aller à l'endroit où je voulais. Non, même pas encore, pour l'instant. Ah, cours, saute, nage, vole, fais quelque chose. Voilà, lui, il est dead. Ça me va bien. Alors... Je sais pas comment récupérer ce qu'il y a devant moi, par contre. Oh, il y a quelque chose là. Là, normalement, je peux passer, hein. Hop. Bon, c'est pas grave. Attention, on est sur la démo. C'est pas la fin du monde si je l'attrape pas. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette petite découverte des Schtroumpfs, l'épopée des rêves. Franchement, très belle surprise. C'est très joli, plein de couleurs. Très sympa, original. Je pense que d'ici la fin de l'année, au Papa Noël... Petites abos devraient avoir les choses qui vont arriver. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le jeu. N'hésitez pas à me dire de même si vous l'avez fait. À laisser plein de petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre en tant que membre pour me soutenir. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.